Eh bien, bonjour à tous et à tous les amis, c'est Comandéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et sur StarCraft, comme vous l'avez remarqué. Mais le gros problème, c'est que StarCraft a été réinitialisé. Par chance, j'ai trouvé du minerai de fer, etc. Et là, pour l'instant, là, je vais essayer d'emménager dans une île très haute, en dehors des zombies et tout ça, ce qui fera qu'on sera enfin tranquille. Pour ceux qui ont vu les derniers lives, ils se rappellent très bien. En tout cas, voilà. De toute façon, je vais expliquer tout ça en détail, sûrement ou pas, dans la description ou dans les commentaires. En fait, c'est ici que je voulais vivre, parce que c'est un peu très haut, hein. Qui dit très haut dit en dehors des monstres, hein. Qui dit en dehors des monstres dit pas de problème, pas de soucis, hein. Non, j'en avoue, j'ai plus de place dans mon inventaire. Ah non, j'ai vraiment plus de place. 2, 3, 4, et voilà. Tout ce bois, c'est pour moi. Ah, du coup, vu que je déménage, là, il y a vraiment plus de place dans mon inventaire, regardez. Entre le bloc de dirt, excuse-moi, mais on en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter d'autre? La plume. Lol. Déjà, est-ce qu'on peut dropper un item dans StarCraft? Non, monsieur. Il va falloir le mettre dans un coffre. Déjà, si t'avais pas les moyens de te fabriquer un coffre, dans ce cas, tu crèves. Tu restes dans la douleur et comme dans la souffrance. Il va falloir te fabriquer un coffre. Tu mets l'item dedans, tu casses le. Et bien sûr, il faut que le coffre soit dans une hauteur très haute et au-dessus de la lave de préférence. Et ensuite, bah, tu le casses et puis voilà. Allez, au revoir le stuff. Par contre, au revoir le coffre aussi. Hein. Ça, j'en ai pas parlé, mais au revoir le coffre aussi. What the? Heureusement que j'ai fait des petites réserves de blocs. Putain. J'avais pas remarqué que j'avais fait. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Voilà, merci. Voilà ma nouvelle maison. Hein. Déjà, je vais commencer par enlever toute cette terre qui reste. Vous allez voir, après ça va être beaucoup plus stylé, à tout de suite. Oui, comme vous avez vu, j'ai un peu exagéré au niveau des outils en pierre, hein. Bon, au moins tout ça, voilà quoi. Là c'est mes deux pioches en fer, hein. J'ai réussi à me les faire parce que voilà. Et là voilà comment ça donne au final, hein. Je vais créer une petite porte pour là, juste là, et voilà ma nouvelle maison. Bien au-dessus de tout ça, de tout ce bazar. C'est moi, il y a une araignée en dessous. Par contre, faut faire attention, attends. Oui, il faut faire extrêmement attention. Ouais, il y a bien une araignée là-bas. Et un creeper. Ça, je peux construire derrière moi, quoi. Allez, hop, hop, hop. On va construire ici. Hop, 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 hop. Et derrière moi également. C'est hyper pratique, du coup, ce mode-là. Voir le bloc, il est parti dans le néant. C'est hyper pratique pour savoir où tu marches. Écoutez les amis, je crois que je vais faire une petite plateforme. On se retrouve à tout. Je me demande en vrai ce que ça aurait donné. Non, parce que là, je me demande comment j'ai réussi pour ne pas tomber dans le vide. Il y a encore une araignée en bas. Et le délire de creuser derrière soi, c'est incroyable ce truc. C'est hyper pratique. Mais la logique, là, elle n'est plus là. Bon, voilà. Re, les amis, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, et boum! Voilà, ça donne à peu près ça. Par contre, j'ai gaspillé tout. J'aurai absolument tout mon bois. Hein. Voilà. Mais d'une, ça rend bien, et en plus, voilà, hein. Contre l'araignée là, elle me dérange. J'ai pas envie qu'elle me défonce, hein. Ah ça non non non, hein. Elle va pas me défoncer. Allez, je prends mon épée. Je vais voir si une araignée. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je reste à l'intérieur. Putain. Elle a l'air d'être pile là, les gars. Pile là.
tout, ça fait flip. Bon, et d'ailleurs, petite parenthèse, juste pour vous dire pourquoi là je ne fais pas de live, c'est tout simplement. Enfin, pourquoi au moins, où est-ce que je tourne cette vidéo, je ne fais pas de live. Attends, c'est un peu logique, hein, comment tu veux faire un live en pleine vidéo, voilà quoi. Et ben, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas du tout de connexion internet. Pas du tout. Ok, elle était bien sur mon toit. Qu'est-ce que tu fous? Je barricade la porte, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je barricade. Hop. Tu peux plus rien faire, l'araignée, elle ne pourra plus venir. Tu ne m'embêteras pas, araignée. Quand même juste pour voir s'il fait mieux au jour, hein, parce que là, ça devient chiant, hein, et à tout de suite. J'aurais pas dû me créer ce stack de... de petits... Ah. En plus, j'ai moins 3 coeurs, les gars. J'ai qu'une seule laine. Alors, pour se fabriquer un nid, c'est un peu mort. Hein. Alors, on va la plume également. Où est-ce qu'elle est arrivée? Vas-y, moi, j'attends qu'elle vienne. Encore une fois, tout de suite. Ah, ça m'ennuie. Et comment faire flash en sautant? Ah, je saute trop fort. Je saute trop vite. D'ailleurs, je crois que je vais publier cette vidéo le 15 février 2018, hein, parce que voilà, parce que là, on est le 14, on est le 15, non pardon, je vais le publier le 16, et du coup, bah, vu qu'on est le 15, bah, en fait, j'ai pas de connexion internet, c'est ça le problème, donc du coup, désolé, si jamais, voilà, si vous voyez pas de vidéo, aujourd'hui, là où je tourne, c'est-à-dire le 15 février 2018, c'est normal. Enfin, c'est pas normal techniquement parce que normalement je devrais pas ne pas avoir de connexion internet. La connexion d'habitude elle marche très bien. Voilà, donc c'est une petite parenthèse, elle a tout de suite. Il n'est pas beau le lever de soleil. Enfin, le lever du soleil. Je veux t'entendre souffrir, le zombie. Vous m'entendez là-haut? Allez! Au revoir, monsieur zombie. Merci. Bonne journée. L'araignée, est-ce que j'ai eu deux?
Il est où le zombie? Je suis pas fou, j'ai entendu des putains de bruits de zombies. Et je suis pas le seul, rassurez-moi. Je suis pas total parano. Voilà, c'est le creeper qui a voulu imiter le zombie. Parce que si c'est ça, il imite drôlement bien. Bonjour. M-shot! Si c'est lui qui fait du bruit là, en bas depuis tout à l'heure. Déjà que j'ai passé la pire nuit de ma vie, là. Ne jamais faire ça chez vous, même si je suis pas sûre que vous ayez le moyen de le faire. Au cas où vous avez le moyen de le faire, même si c'est 100% improbable. Putain, je suis en train de visiter les entrailles d'une montagne. Hein. D'une île volante plutôt. Donc du coup les gars, je propose qu'on prenne masse pierre taillée. Hein, et qu'ensuite on aille en haut. Retourner à la maison, quoi. Putain, ça m'énerve. C'est bon, je vois la lumière, on y va. La lumière. Non, restez avec nous. Je vous en supplie, il faut rester avec nous. Ça, on est d'accord, les zombies sont pas capables de faire, hein. Contrairement à moi. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Faut envisager des techniques que les zombies et tout ne savent pas faire. Voilà, bon, alors je vais. J'ai envie de faire un pont vers toutes ces îles là. Et vous imaginez, en très longtemps, on pourra faire un pont avec toutes ces îles. Oh, celle-là, ça serait trop bien. Vous pensez peut-être à ce que je pense? Me dites pas qu'il y a un zombie juste là. Ah, c'est une araignée. Une bébé araignée. Bonjour. Putain! C'est quoi ce délire? Oh non, me dites pas que c'est pas du tout les règles de Minecraft, non, en plus. Ok, bon, du coup, maintenant j'aurai l'appareil no stop. Au moins, j'aurai l'appareil près de chez moi. Hein, parce que chez moi, c'est tout là-bas. Je vais récupérer mon stop. Moi, je voulais juste aller sur une putain d'île, hein. Je voulais pas aller combattre des zombies et tout, hein. Pourquoi je suis descendu? Oh, le headshot, quoi, les gars, c'est horrible. C'est le même délire que dans Minecraft, les amis. C'est la malédiction. My stuff is here, but the spider is here. Ça en a pas l'air. Sans les feuilles, elles vont disparaître un jour.
Les gars, je prends tout, je me barre. Ok, donc chose très importante à retenir. Habiter sur une île égale risque de dégâts de malade. Risque énorme de perte de stock. En gros, c'est ça, quoi. Heureusement, j'ai un peu de nourriture. Il y a quelques arbres. Je vais pouvoir me créer un pont pour rentrer. Oh les gars, je suis hyper flippée. Oh, mais c'est risqué. Le gars qui a créé StarCraft, il s'est dit non. Dans le noir, il va rester des monstres et les araignées sont agressives également dans l'ombre. Putain, mais les araignées agressives dans l'ombre, ça j'ai jamais vu. Hein. D'habitude, quand je vois des araignées, soit je les tue dans le jour, soit elles me tuent dans la nuit ou je les tue dans la nuit encore. Il n'y a pas autre chose, hein. Allez les gars, je vais remonter. Je doute que ce soit assez, mais je m'en fiche. Je vais essayer d'aller hyper haut là, déjà histoire de bien prendre de la hauteur. Cette phrase ne veut rien dire. Allez, à tout de suite dès que je serai très. Voilà les gars, je suis suffisamment haut avec une horde de monstres là-bas. Je vais vite. Bientôt faire nuit, j'ai même pas récolté un seul mouton quoi les gars. Ça craint. Du coup, je me disais que j'allais avoir assez, tant mieux. Les gars. C'était chaud. Bon bah du coup, résultat de l'épisode. On s'est fait tuer une fois. Donc du coup, chose à retenir. Plus jamais. Non mais alors je dis bien jamais aller dans une forêt le jour quand il y a une araignée. Voilà. Cette araignée elle m'a fait tomber. Hein. Pff, ça m'énerve. Franchement là les... Voilà. Bon. Écoutez les amis, on va bientôt... On va s'arrêter là. Hein. On va poser notre coffre. Enfin, on va poser tout dans notre coffre. Voilà. Voilà. Charbon. Oh non, pas charbon peut-être. Hein. Ce serait peut-être mieux de le mettre dans notre four, le charbon. Hein. J'en ai presque un stack, c'est tant mieux. Et d'ailleurs. Pouf! Allez hop! Ça va cuire. En attendant, on va mettre le reste dans le coffre. Et sur ce, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette... What? Ah non, le coffre est plein. Eh bien, je vais prendre un peu de bois histoire que je puisse me refaire un coffre. Voilà, j'ai deux coffres. Non, j'en ai qu'un, mais c'est pas grave. Allez hop, on pose. J'ai dit... Voilà. Bon, alors ensuite, voilà. Tac. Voilà, bon, bah, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lancer un max de pouces bleus. Vous abonner à la cloche de notification. Sur ce, bah, moi, je vais vous laisser. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Candéo Gaming. Ciao, ciao!